Écoute, j'ai pas de télé depuis 30 ans. J'avoue que depuis que l'arrivée des DVD, des Blu-ray et des plateformes, c'est vrai que je vais moins au cinéma, quoi. VO. C'est marrant. Pour les livres, j'aurais dit L'Idiot de Dostoïevski. Pour les films, j'en ai plein, en fait. Je pense à 8,5 de Fellini. Pas seulement pour l'œuvre d'art, mais aussi parce qu'il parle de notre métier et du doute de l'artiste qui est face au vide et qui continue de faire croire à tout le monde que ça va bien se passer. Ouais, 8,5. Là, tout de suite, je pense à Her. Spike Jonze. Ouais. Ça dépend de l'âge de ta compagne. Si elle est jeune, c'est La La Land. Si elle a mon âge, faut mieux aller vers du Woody Allen, je dirais. Ah, mais indéniablement, rien que d'y penser. Brutti, Sporchi et Cattivi, affreux, sale et méchant. Et Torrescola. Étrangement, La Ligne Rouge de Malick. Un érudit, quelqu'un d'habité par une foi profonde en quelque chose et où ses convictions vont être profondément questionnées. Hasta la vista, baby.